Je suis là. Lara. Alex va regretter d'avoir raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil. Alors, c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. On doit pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de palan. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Je vais voir si je peux faire marcher cette arme. D'accord. Moi, je vais démonter tout ça et préparer le moteur pour le palan. Et moi, je peux me rendre utile? Oui, pousse-toi de là. Tu crois que ces trucs fonctionnent encore? Il faudrait les nettoyer, mais oui, ils devraient marcher. J'espère qu'ils nous serviront pas. Sam, fais attention! C'est bon, Lara n'est pas la seule à... Merde! Attention, Sam! Désolée, je suis désolée. Hé, c'est pas grave. Calme-toi. Et ne touche plus à rien. Je suis content que tu sois revenue, Lara. On va s'en sortir tous ensemble. Celui-là est foutu. Mais je pense pouvoir le réparer. Lara, merci de nous avoir libérés. Tu en aurais fait autant pour moi, non? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'attends, Lara? On en a vraiment besoin de ce palan. Tu devrais peut-être te dépêcher avant que la nuit tombe. Le soleil va se coucher, tu ferais mieux d'y aller. Oh, heureusement qu'il n'y a pas de miroir ici. Je dois être affreuse. Sûrement pas autant que moi, Sam. Oh, arrêtez, vous êtes très jolie. Ah, Jonah, t'es adorable. Mais tu ne sais pas mentir. J'ai hâte de quitter cet endroit. Je me sens pas en sécurité ici. On y arrivera, je sais pas comment. Mais on rentrera. Jonah avait besoin de quelque chose sur ce vieux voilier. Tu ferais mieux d'y aller. Attendre la relève. Ben on risque d'attendre vachement longtemps. Il y a un truc qui cloche, mon frère. Prépare-toi, on s'en va à la tombée de la nuit. Oh.
voilà. Était utilisé par les scribes au service de la famille royale chinoise. Il y a une petite gravure indiquant qu'il appartient à un ambassadeur impérial. Alex devrait déjà être revenu. Alex ! À moi ! C'est le Dr. Whitman. Shanna ! Alex ! Combien ils sont ? Je ne sais pas. Vous êtes blessé ? J'ai vu personne. J'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré ? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi ? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez ? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. J'essayais simplement... Bon, vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups de crosse. Si on commence à se disputer, on est foutus. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils ? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Lara, attends ! Tiens, prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Il est puissant. Ces flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah.
carburant s'est échoué de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Essaie les rochers de l'autre côté du quai. Tu n'as vu aucun signe des pilleurs ? Rien. Tout est calme. S'ils sont dans le coin, je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, s'ils sont dans le coin. Écoute, Lara, je sais que t'as pas confiance en Whitman, mais on doit se serrer les coudes. C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu perdu les pédales, mais je ne crois pas qu'il nous trahirait. Pourvu que t'aies raison. Alex est parti depuis trop longtemps. J'aurais jamais dû le laisser y aller seul. Ne tarde pas. Il faut trouver Alex. Lara, j'espère que vous comprenez. Là-haut, au palais, je ne pouvais vraiment rien faire. Si vous le dites. Bon, mais nous n'avons pas le temps de parler de tout ça. J'aimerais noter tout ce que j'ai vu ici. Quelle histoire et quelle culture fascinante! Quoi? Pardon, Lara, mais j'ai besoin de me concentrer. Tu as trouvé de quoi t'occuper l'esprit? Ouais, un vieux Robinson Crusoe. Quelle ironie. Eh bien, il a fini par la quitter son île. On peut voir ça comme un bon présage. Nous ne voyons jamais notre véritable condition avant d'en avoir expérimenté l'opposé, ni ne savons apprécier ce que nous vivons qu'à travers nos désirs. Lara, on va s'en sortir? Dis-moi, Lara. Bien sûr qu'on va s'en sortir, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille, Lara va ramener Alex. Ensuite, vous vous rappelez ce qu'il chantait? Je n'ai pas très envie de parler, Lara. Tu devrais aller chercher Alex. Quand j'aurai accroché tout ça, Jonah et moi, on pourra déposer le moteur et je commencerai à réparer. Je vais avoir besoin de mes outils. N'oublie pas de me les rapporter, Lara. Allez, Dunair, retourne sur l'Endurance pour récupérer mes outils. Ça ne marchera pas. De l'Endurance. De quoi t'as besoin exactement? Alex! On se faisait un ascendant! J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu ferais mieux de l'attendre. Lara? Non, c'est pas la peine. J'y vais. Mais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais? T'es un peu roussi sur les bords, toi. Qu'est devenu ton propriétaire? Il y a un nom sur l'étiquette. Millie. Est-ce un simple repose-tête ou bien cet objet faisait-il partie d'un ensemble de statues? Je me renseignerai si j'arrive à quitter cet endroit.
quoi. Sérieusement? C'est qui cette fille? J'en sais rien. Ils disent qu'elle est arrivée sur le dernier bateau. Cette garçon est tuée de la nuit. Quoi? Elle a tué un des Russes? Et pas qu'un. Elle a aussi liquidé Dimitri et Nikolai. Quelqu'un a prévenu Boris? Il dirait que l'opération de récupération des matériaux sur le bateau de la fille. Il doit pas être au courant de ce qui se passe. Il va savoir que ses frères sont morts. Ouais. Quand on va être là-bas, il va péter un câble, ça c'est sûr.